Bonjour à tous et à toutes sur le site, bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2 qui aurait dû sortir plus tôt, mais à cause d'un problème de micro, ça n'a pas été le cas, malheureusement. La dernière fois, nous avons fait pas mal de choses sur le plan de l'ombre, nous avons avancé dans le jeu un petit peu, même si j'aurais aimé que ça soit un peu plus rapide, et nous étions arrivés dans la salle cachée, fermée, dans le théâtre de l'ombre avec ce gardien des portes auquel j'ai retiré son cœur. Normalement, s'il est dans mon inventaire, ou alors je me suis retiré. Ouais, non, j'ai sauvegardé avant. Clé de Lyena, exactement. Et en fait, alors, je vais vous expliquer un truc que j'ai découvert qui m'a détruit. Voilà. C'est quelque chose qui m'a détruit lorsque je l'ai trouvé. C'est que pendant tout le jeu, vous avez vu que j'ai amassé pas mal d'essence et que je me plaignais de me dire « C'est bizarre, je ne comprends pas comment on assemble les gemmes, comment les essences, comment on fait pour les catalyser. » Et en fait, ce que le jeu ne m'a pas dit, et à tort, vraiment à tort, c'est que, alors pour cela, il va falloir que je ressorte de cette zone et que j'aille chercher la bonne personne, c'est que j'ai mis une étape en plus qui me paraissait logique, mais dans les faits, qui est inutile. En gros, l'alambic de l'alchimiste, c'était le bon objet, mais l'objet en trop, c'était le sac. Et oui, le sac était l'objet en trop. Alors, il faut juste que je retrouve cette très chère Safia. C'est à quel sujet ? Safia, j'ai besoin de votre aide. Et moi. Voilà. Si vous insistez. Non. C'est à quel sujet ? Pardon, excuse-moi. Kaji. Je vais enlever Oku pour le moment. De toute façon, je vais le reprendre. Mais en gros, venez par ici. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vais déjà l'augmenter comme ça, voilà, niveau suivant. Comme ça, on va un peu plus vite. Voilà, je vais choper dans son inventaire l'objet qui était le plus utile, à savoir tout ceci. Tiens, d'ailleurs, je vais tout lui donner, en fait. Elle est où, Safia? Voilà. Je vais lui donner toutes mes gemmes qui me sont inutiles et pour le moment qui ne me servent pas. Pour le moment, j'ai pas d'utilité sur les gemmes. Voilà, par contre, je vais garder celle-ci. Et donc, du coup, me voilà avec plein de gemmes pour Safia. Et ce qu'il fallait faire au départ, c'était bien l'alambic de façonneur et son utilisation de convertir les essences sans les mettre dans la sacoche. Ce qui veut dire que là, voilà, j'ai quasiment tout perdu, mais j'ai gagné une essence de feu volatile. Et faut faire ça tout le temps, mais genre vraiment tout le temps. Sachez que quand j'ai... non, c'est combiner les essences, pardon. Voilà. Quand on combine les essences, tac. Voilà. Et j'ai obtenu des essences de feu écarlate. Et quand j'ai découvert ça, au détour d'une vidéo YouTube... alors, je crois qu'il était américain... je crois que c'était un américain ou un allemand, au choix. C'est surtout beaucoup d'allemands qui jouent. J'étais à la fois énervé et à la fois... un peu triste de découvrir ça complètement par hasard. Il me semble que j'en ai aussi mis dans ma sacoche. J'en ai aussi mis dans ma sacoche. Elle va tout prendre. Elle va tout recevoir, je m'en fiche. Comme ça, c'est elle qui aura tout le stock. Vous comprenez que j'ai découvert ça et j'étais pas content. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas content. Peut-être que ça a été indiqué au début, mais mal. Très, très mal. Oui. En tout cas, c'est une chose que maintenant je sais faire et j'espère que ça va un peu m'avancer. Hop, je combine tout. Hein. J'attends pas. Surtout que j'ai mon énergie qui baisse et ça aussi c'est un problème puisque dans la session que vous ne verrez jamais, compliqué. D'ailleurs, la session que vous ne verrez jamais contient un chemin que vous n'allez pas du tout voir, vu qu'on va changer un tout petit peu, vu que les combats, j'ai pas envie de les faire.
Il y a beaucoup de combats et c'est compliqué quand j'ai pas le temps. Du coup, il me faut juste cet esprit écarlate, ici. Et moi, sur mon personnage, du coup, grâce à la nouvelle compétence que j'ai, enfin le nouveau don, à savoir modelage d'esprit, voilà. Je vais donc du coup modeler. Ceci avec. Pour que je lance sur l'autre, pardon. Excusez-moi. Ah, c'est maintenant qu'il me. Oui. C'est maintenant qu'il me faut la sacoche. Je vais garder la sacoche sur mon personnage du coup. Oui, vous voyez que c'est vraiment pas intuitif. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment peu intuitif. Hop. Il veut pas faire ce que. Pourquoi tu fais pas ce que je te demande en fait Pourquoi mon personnage il est con là? D'un seul coup mon personnage a décidé d'être con. C'est honteux ce qui se passe. Je l'ai mis où? Oh, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Donc, le cœur. Et c'est pareil. Voilà. Et ensuite, du coup, je vais utiliser le modelage dessus. Et du coup, j'ai un noyau d'esprit écarlate. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre au cou, qui devrait être quelque part, vu que Safia ne me servira plus. Ouais, Safia ne me servira plus, malheureusement, de l'aventure, vu que j'ai quand même un groupe plutôt sympa. Il est où, au cou? Il est où, le gros ours? Il est dehors? Ah, il est peut-être dehors. Bref, c'est compliqué. Non, il était pas dehors. Soit il est dehors à la sortie, c'est débile, soit il est là, et le temps que je sors, rentre, il est réapparu. J'aimerais bien que ce soit ça. Puisque Oku, il va m'être utile dans une minuscule quête, et qui, si elle se passe bien, peut être très vite terminée et m'empêcher d'avoir des petits soucis. Il est où? Mais il est où, en fait? Ah, il est vraiment à la sortie. Ah, c'est une blague. Il est vraiment à la sortie, je vais pas m'énerver. D'ailleurs, pourquoi les deux cons là, ils me. Il y en a deux là qui ne me suivent plus. Suivez-moi! Facile comme dans un rêve. Mais il y a un moment, de toute façon, sur cette barre, je vais me débrouiller pour la bloquer. Ça, c'est vraiment le pire truc. Oui. Ah oui, alors il y a ça, voilà. Alors mon don, blablabla, bla, c'est une. Voilà, donc en fait, tout ça c'est une quête, ça va être simple. La tribu des collines, je vous spoil un petit peu, en gros. C'est des change-formes. C'est juste qu'ils veulent ma peau. Et pour cela, il me faut Oku. Il est où? Ah, il est là. Il est vraiment dehors. Mais pourquoi il est dehors? Oh là là, faut que j'aille le récupérer. Oh, oh, ça, je pourrais le prendre. Cette herbe est tendre, voilà. Peut-être. Continuons l'aventure. Oui. Ce sera Safia. Tu retournes au voile. Et du coup, alors, est-ce que toi, je peux faire repos éternel? Je ne peux pas refaire repos éternel sur toi. Ah mais non, c'est seulement sur les morts vivants du crématorium. C'est dévorer l'esprit que je dois faire, non? Ah, et vous savez que c'est compliqué ça. C'est pour ça que je déteste ce mécanisme. Bref.
On va retourner du coup au golem après ce petit interlude où je me suis perdu. Ou alors peut-être qu'il faut que je chope toutes les créatures de dehors qui pop. Oh, c'est peut-être pour ça que le plan de l'ombre existe. Il y a peut-être un mécanisme de jeu que j'ai pas encore tout à fait compris. À voir, ouais. Du coup, ce golem, je lui redonne son cœur. Voilà, le journal a été mis à jour. Et donc là, le dialogue va s'enclencher, des visiteurs qui sont emportés ici, c'est des indices en gros sur où est-ce que... Enfin, comment j'ai été amené ici et où sont les personnes qui m'ont aidé. Voilà, elles sont dans la première porte. Et donc du coup, les portes, ce sont des ennemis en gros pour récupérer de l'expérience, pour faire simple. C'est donc vous qui m'avez porté, c'est la dame blanche. Et donc du coup, il y en a un qui s'énerve et l'autre qui me donne des infos. Et ça fait suite à ce qui s'est passé dans le tout dernier combat de l'aventure principale. Voilà, Khelgar, on est à peu près sûr qu'il vit. Et la dernière... Ah voilà, il y a un mage puissant entouré d'énergie mystique. Donc je considère que c'était le corps de je ne sais plus que... de Amon... Amonjiro, je crois. Et deux autres morts dans l'éboulement, dont on ne sait pas plus. Diana a pris votre lame d'argent, elle a arraché le fragment de votre poitrine, c'est pour ça. Donc là, moi, je considère que le fragment de la poitrine, en fait, c'était un catalyseur pour le manche-cœur, qui était enfermé à ma place. Bref. La caverne en ruine. Les dames savaient votre nature, blablabla, nous avions un visage, on a des... c'est un peu plus de trucs, mais de toute façon, à la fin, la vérité... Voilà, donc là, on va arriver à les vieilles guenons, le concile du songe, c'est encore un indice. Donc là, on a aussi un petit peu un autre endroit qui se débloque. Alors, donnez-nous le corps de Lyanna, mais Lyanna est en cendres. Voilà. Et là, c'est la bagarre. Pour faire simple, c'est la bagarre. Voilà, mais c'est des gens qui sont pas très 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 forts. Et donc normalement, si je reviens, je peux bien m'en sortir. Il faut que je m'en sorte bien. Et donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors attendez, c'est dévorer l'esprit, c'est celui-là. Il me semble que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est repos éternel. Normalement... Non. Ah, si, je peux utiliser repos éternel. Mais il me semble que... ça marche sur les esprits et aussi sur les créatures. Par contre, dévorer l'esprit, ça marche sur tout le monde. C'est une seule fois, par contre. Sauf que le truc, c'est que si j'utilise, c'est terminé. Donc là, je récupère tout, de toute façon, on s'en fiche. Et donc, du coup, je vais reparler au gardien. Alors, après, c'est où mènent ces portes. Voilà. Sachant que plus les portes vont s'ouvrir, plus il y aura des ennemis un peu plus difficiles. Et comprenez que j'ai pas très, très envie. Ah oui, il y a les coffres aussi derrière. Que je n'avais pas vu la dernière fois. Sauf que ça, c'est piégé. Et
Oh, et bon, il y a un piège. Une armure et un bâton. Normalement, l'armure et le bâton, faut que je le donne à la personne qui a le plus d'intelligence. Et la personne qui a le plus d'intelligence, c'était Sienna. Hop, petit level up, donc ça c'était prévu ici. Hop, et pour elle aussi. Hop, oh, donc là j'ai des informations. Je vais mettre le jeu en pause pour vous expliquer. Voilà. La sagesse de la tribu des collines, sachant que c'est là où il y a eu un piège, et le savoir ancien. Vous avez conseillé d'aller voir un vieux batelier. Voilà, alors ça, j'y suis pas allé, et ça, c'est la suite de la quête principale. Bref, mais en gros, voilà où j'en étais. Sachant que je suis allé ici et que c'était la merde, et que je me suis arrêté à la fin parce que je me suis dit que mon son était un peu bizarre et que mes courbes étaient étranges, et j'ai eu le souci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de cette zone. Et oula, voilà. Je vais maintenant, avant j'avais pas Oku qui était là. Vu que je l'ai, ça va a priori, ça va un tout petit peu changer les dialogues et possiblement m'éviter le combat. Donc je ferai une sauvegarde et je crois même que c'est, je crois qu'il y a quelques combats avant la tribu, enfin bref. Ou alors je vais directement dans la zone où je ne suis pas allé, où je voulais aller. Qui est la véritable zone en fait où il faut aller. Et vous savez quoi, je vais faire ça parce que de ce que j'ai vu, c'est une zone qui est un tout petit peu complexe et un tout petit peu grande surtout. Oh, je pourrais tellement le manger lui. Lui, je suis sûr que je pourrais le manger. Un petit repos éternel, ça serait pas mal. Hein. Mais bon. Ah non, c'est celui-là. Ah oui, c'est répression. Répression, oui. Alors attendez. Parce qu'il faut aussi que je fasse en sorte de bien comprendre comment fonctionne le cycle jour-nuit. Et même là, j'ai un peu de mal à savoir si on est le jour ou la nuit. Alors, du coup, la cité engloutie, c'est là où je dois aller. Ou bien, ici. Sauf que j'ai pas envie d'y aller. Donc, on va aller directement à la cité engloutie, vu que c'est la suite. Tout simplement. Et voilà. Alors, vous voyez, par contre, vu qu'on s'est déplacé. Et ben trop bien, j'ai perdu énormément d'énergie. Et là c'est pas cool. Genre vraiment pas cool. Cet endroit en plus la corruption, c'est pas votre odeur, mais près des cadavres décomposés d'esprits. Il y a une cité ici peut-être soufflue, la tombée de la nuit, nous sommes peut-être plus. Vous semblez mal à l'aise et influencé échec parce que je lui ai mal parlé avant. Bref. Donc il faut attendre la nuit. Et donc du coup il y a cette personne là. Ok, il est un petit peu important de parler. Alors déjà il y a ça aussi. Genre un pêcheur. Voilà, voilà. Et hop là, le coffre piégé. Je m'en... Oula, oui, oui, d'accord, on est là-dessus. Ah, bah oui. Dague en argent, saphir émeraude, machin, tout ça. Alors toi. Vous redoutez la compétition ? Je suis ici pour pêcher. Que faites-vous ici ? La pêche c'est toujours. Qu'est-il arrivé au précédent ? Très bien. Voilà, et donc en gros, il me dit revenez la nuit, on sera plus tard. Et il y a aussi des coffres un peu à droite, à gauche. Si je suis à répression. Ouais, je vais la réprimer. Je vais la réprimer en présence d'esprit. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'esprit. Donc, il va falloir que on se pose jusqu'à la nuit tombée. Et ouais, là, ça va être compliqué.
Très compliqué pour moi. Ah, ça va, j'ai pas trop perdu par contre. Il va vraiment falloir que je trouve des esprits. On va emprunter le portail. Hop là. Et donc, une audience devant le concile du songe. Et il y a... Et on est toujours dans Revenu et on est toujours avec cette personne. Qui êtes-vous? Vous rappelez-vous du pêcheur que vous avez rencontré sur la berge? Ah, c'était lui. Alors... Je dirige une dimanche du champ, forêt, la production a baissé à cause du sabotage. Très bien. Une manière fleurie de dire que vous cherchez un esclave. Au coup, pourrait faire l'affaire si vous cherchez. Oh, je pourrais le faire. Oh. Ah merde, non, j'ai moins 11 d'influence, putain. Ah, c'est méchant. Que voulez-vous que je fasse? Le skein sous couvert d'accord est de vaincre l'élémentaire de la terre. Oh. Oui, je me prends les dégâts. Ça, c'est à cause de... du mange-cœur. Vous n'en faites pas. Très bien. Bon, bah voilà. Au revoir. Hop là. Et maintenant, je peux continuer. Donc, du coup, la zone là-bas, si j'ai bien compris, c'est couvert là. Et on va aller en dessous. Cet endroit semble émerger de l'obscurité. Ah là là. Je suis. Non, mais je suis très très mauvais. J'aurais dû me taire si fort pour par rapport au coup. Bon. Voilà, la vache, il y a plein de personnes. Je doute que ces requérants soient bien disposés à notre égard. À notre égard, oh, tu m'étonnes. Encore, renégat, rejoindre les fours, rejoindre la foule, je sais pas combien de temps. Puis-je parler? Réussi. Hein, pas de pari, si j'attaque à moi, je dois aller voir le concile. Où est la fin de la file? Il n'y a pas de file en dehors de coque, juste un tas de gens. Ah. Diplomatie, corruption, ça marche pas, d'accord. Va pleurer, hein. Pourquoi empêcher l'entrée? Regarde autour de vous, il y a toute une meute de créatures. Ah bah oui. Et si j'arrive à... J'arrive à faire partir la moitié des gens. Ah, alors il y a ça, vas-y. Alors, il y a un flash de leur mental, un seigneur vampire, une clique de Taylor. Ouais, si le nombre de gens sur un ultra qui j'en vois qu'un seul, mais je suppose que les gens se cassent. Son cache. Ok, on va d'abord parler au Taylor. Sale bestiole, toujours à fouiner partout pour mener les effrayer. Ok, des informations un peu partout. Donc là, c'est le choix. Ah, les guenons, les sources d'hiver se forment, d'accord. Ah, il me reste assez d'influence quand même pour réussir à lui débloquer quelques sources d'informations. Alors, ah, et donc les Telters, ils sont là. On va essayer de les faire partir. Si je peux les bouffer, je vous avoue que moi, ça m'arrange un petit peu. Parce que j'ai faim. Mon énergie, elle est quand même assez basse. Et je me prends des dégâts à cause de cette créature de mort. Alors, on va parler à l'ours. L'ours a quitté son tertre. Ah, tiens. Que peut bien falloir solliciter, mais semblable, la plante en cet endroit est pas poli, mon endroit. Il s'est lié à des êtres de chair comme cet étrange. Que faites-vous ici? Je crois son gage, mais je n'ai guère envie de l'écouter. Mes enfants étaient avec moi, parlez-lui. Oh, au coup, donc une influence sur les esprits de Telter. Pas mal. Mais nous répondrons aux questions de la chose qui vous suit. Pourquoi vous avez... Que faites-vous ici? Notre territoire borde ses rivières, les nuits nous sommes troublés. Le sang du concile va couler. Ah bon? C'est vrai, en un sens, nous souhaitons faire des tweetements pénibles et des bohèmes. D'accord, quelle est cette foule? Oh, tiens, nous faisons ce qui nous vient naturellement, cousin. Cet ator se porte en vulgaire animaux et font montre aux minins. Il faut discipliner cette marmaille par la peur ou la force. Je suis d'accord, il faut faire quelque chose. Ah, j'ai regagné un petit peu d'influence, oui. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas soumis un animal rétif. Je dois en savourer chaque seconde. Oh, bagarre. Oh bagarre, si je vous prends un peu d'avance, si je vous trappe, je... Oh! 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 Oh, il les a fait fuir! Oh! Oku, il les a fait fuir! Ok. Pas mal. Pas mal du tout. Très cool. Ah bah écoutez, moi si je peux éviter les combats et accéder directement sans passer par diverses choses, ça me rassure. On va... passer à lui, tiens. Oh là là, je suis vraiment dans le mal. Il y a un moment, je vais devoir tricher, hein, pas le choix.
Que voulez-vous? J'ai remarqué la médiocrité de votre équipement pour oser sortir de chez soi. S'il te plaît, faut être très courageux. Oh bah, c'est moi que je suis seul. Pas mal pour affronter la suite, il vous faut équiper chez Omega Armure de premier choix. Ah, vous êtes marchand. Je l'ai donc alors, je serais même prêt à vous racheter de la camotte que vous trimballez. Oh, il y a ça, un marchand. Oh, c'est un marchand. Enfin, quelqu'un de sympa à qui je revends du merdier. Un eau de mangeur de pierre. J'ai vraiment ça, moi. Mais j'ai des trucs... J'ai vraiment des trucs bizarres. Oh, il peut me... Oh, il peut me les identifier. Ah, oh, ça, c'est cool. Identifier, identifier. Alors, souvenir. Ouais, mais personne n'est magicien, donc ça, ça va partir à la vente. Hein. 25 000 balles, toujours utile. Ça. Robe d'archimage. Ah, ça aurait pu être utile pour Safia. Et une dague en argent. C'est nul. Une poche magique. Oh, poche magique, moins 20%, c'est pas beaucoup. Et le reste. Ah, toutes les potions, bien sûr. Toutes les potions du monde. Ça, par contre, c'est oui. En armure, ça va. Katana du néant. Ouh, j'ai pas du tout assez pour le katana du néant, mais genre pas du tout. Et en armure, il faudrait peut-être que je monte en armure. Faut que je me trouve une meilleure cape. Cape de résistance plus 5. Ah oui, je vais me prendre la cape et le truc de pas d'hiver, on lui dit au revoir. Ça, ça vire. Ah non, c'est un déco. Bon bah, je peux pas enlever ma déco. Qu'est-ce qu'il a d'autre? C'est tout ce qu'il a oui. Pour toi. Ouh, égide de Manus. Oh, pas mal, pas mal. Plus 6 boucliers. Bonus. Ça, c'est pas mal. Et le truc que t'as, toi, c'est plus 7. Ah, c'est quand même un peu meilleur. C'est quand même un peu meilleur ce qu'il a. Des bombes de promptitude. Ok. Oku, malheureusement, n'a pas grand-chose. Non, il peut pas s'équiper de bottes. Non, il peut pas. Non, il peut pas. Il ne peut pas. Et du coup, Kaelin, elle a. Oh, elle a un peu plus de choix. Ah, des bracelets. Ouh, des bracelets. C'est vrai qu'il lui manque ça. Constitution plus 8, régène plus 2. Vas-y. Complètement, complètement. Hop. Ah. Hop là. Parfait. Parfait, parfait. Oh oui. Ah oui, c'est vrai qu'elle a, elle a une faux. Elle a une faux qui est incroyable. Oui, on va lui revendre du coup tout ce qui est inutile. Tac, impeccable, impeccable. Et ben, on est un tout petit peu mieux équipé. Est-ce qu'il a un casque? Non, il nous reste, c'est des trucs soit trop chers, soit inutiles. Ok, et ben lui en tout cas, il est cool. Et ça, j'aime bien. Du coup, ah, je suis vraiment en train de perdre. Vache. On va parler à lui. Toi. Mange-cœur, vous avez trahi le don. Si l'endroit était plus discret, j'accélérerais votre inévitable destruction. Je ne veux pas me battre. Le don de votre courtoisie est insupportable. Bon, en fait, j'aurais pu lui défoncer. D'accord. Donc, lui, a priori, il faut lui casser sa gueule. Très bien. Je peux lui casser sa gueule, hein, c'est pas un souci. Hein. Je pense même que je dévorerai son âme. Trouve un endroit discret. Alors vous avez de. D'accord. Oh, gain d'influence sur Roku. Quoi? Comment ça se fait? Quelle arrogance! J'ai dormi bien longtemps et pourtant ces singes répugnants sont toujours les mêmes. Du côté obscur du bâtiment, qu'on serait disposé à mourir. Oh, la petite bagarre. Oh, vas-y. Ah, mais il y en a deux. Ah, il y en a deux autres. Bah, vous savez quoi, hein? Ah oui, ils sont à part. Ils sont apparus. Bon, bah, bagarre. 4v3. Let's go. Allez. Allez, du coup. Ok, ok, ok. Bah, tous sur lui, hein. Ah oui, mais alors attends, parce que... Ce sera fait. Voilà. Je peux le faire.
Putain, mais personne n'attaque là. Au secours. Personne n'a attaqué, c'est une blague. Ok, donc lui c'est du menu fretin. Moi je vais mourir, hein, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Vraiment. Je les laisse se débrouiller. Regardez, ça va aller extrêmement vite. Et un de moins. Voilà, je revis. Voilà, c'était prévu, ne vous en faites pas. Ah, alors lui il est agonisant, attends. Est-ce que je peux utiliser répression? Non, je peux pas utiliser répression sur. Ah bah non, faut que je sélectionne MDR. Je me charge de lui. Hop là, là il agonise. Répression. Ouais, j'ai regagné 5 points. C'est pas énorme. Vision mystérieuse. Je vais prendre ça. Ce sera déjà pas mal. Donc là, c'était la bagarre. Très bien. C'était une bagarre, on va dire, ok, tir, pas dur. Toi. Adieu. C'est la première fois, que je communique avec un esclave. Ah non, ah, je l'ai kéblo. Je l'ai kéblo, pardon. Est-ce que deux de moins, c'est bon, je peux passer? Ah, j'espère que vous avez assez d'or. Ah, combien? Payer 50 000. Oula, attends, quoi? Attends. Combien? 50 000. Putain, t'as de la chance que j'ai de la thune, hein. Ah bah attends, j'ai quand même payé. Ah bah j'ai... Ok. Oui bon, 50 000 de moins. Est-ce que c'est pas mal? Je pense que oui. Est-ce que ça permet d'avancer un petit peu? Je pense que oui. Alors, où je suis? Oh, Koveya Kurganis. Ok, et les gardes. Très bien. Bon, on va aller où on peut. Du coup, on va aller demander une audience. En fait. Oh. Bonjour. Je pense que je vais avoir un souci, je lui parle. Vous avez apporté l'or, il aime l'or. Quoi? Un pot de vin? À votre place, je lui donnerai rien, mais il voudrait peut-être céder quelque chose que... Quelque chose qu'il déteste comme son larvin. Quoi? Les champs. Qu'avez-vous vendu au Genaïs? Leur chef attend avec moi dans une vente de peau de chien. Comment on va faire mon prix? Jus de rongeur fermenté. C'est dégueulasse. Ah d'accord. D'accord. Ok, lui croire pour besoin, l'écrit sur ses mains, puis d'accord. Bah je vais le laisser faire en fait. Je vais laisser se démerder. Laisser se débrouiller tout simplement. Oh non là. Oh non. Ah attends. Et fermé sur demande de cavate. Je dois lui casser la gueule. Je vais lui casser la gueule. Alors. Je suis venu à la place dans la file. C'est vous qui avons dans la file. Fureté, singe bizarre. Okay. Qu'avez-vous? Est-ce que vous avez des trucs à vendre? D'accord, prix proche image, garçon spécial, nous avoir qui vous conseille, d'accord. Quelque chose comme pas gentil, disons, chien qui mange ses crottes pour faire poli. Ah bah oui. Moi donner à vous si vous... 30 000 pièces. Ce garçon est largement moins... Oh vas-y, je tente une estimation. Raté. Allez.
D'accord, ouais. Est-ce que je... Allez, vas-y, je me redélaisse de 30 000. Allez. Toi, gamin, tu viens ici. Et tu m'expliques. Oh là, j'ai dépensé 80 000 balles. Hein. Encore une chance que l'argent ne soit pas un gros problème. Et du coup, la porte, elle est ouverte? Oui. Non. Ah, oula. Oui. Ah. Troisième dans la file. Oh non, il faut faire des choix. J'ai plus assez. Tu as 107 000. Ça va être si juste. Oula. Oula, je suis deuxième de la file. D'accord. Par exemple, là. Où êtes-vous, le manche-cœur? Oula. Ah, mais c'était eux. C'était eux que. Alors, c'était ces créatures-là. Dans le. Dans la montagne. Que je devais rencontrer. Qui vous devez me tendre un piège. Voilà. Un mangeur suicide un nid du don. Alors. Je vous ai apporté d'autres choses à manger. Ah mince. Ah non. Bah c'est bagarre. Voilà. Donc ça c'est la bagarre. Et là, la bagarre là, elle est pas pareil. La bagarre là, c'est pas pareil. Voilà, donc autant vous dire. Si j'avais su, j'aurais changé de stratégie. Hein. Enfin. Là je me retrouve avec ma Dream Team. Ça va aller assez rapide. Ça va être assez rapide, je pense. Ouais, c'est très rapide. J'ai une excellente team au final. Bon, et en plus, il y a une montée de niveau. C'est parfait. Et je me prends toujours les dégâts, mais ça va. Ah, c'est moi qui monte de niveau. Yes. Alors. Ah oui, je peux prendre un truc élu divin. Ah oui, donc élu divin, c'est D8. Hein. Alors, hop, je vais y aller en automatique. Et qu'est-ce qu'il me recommande en pouvoir de classe? Dextérité surhumaine. Ce don peut être sélectionné plusieurs fois jusqu'à un bonus de maximum de 10. Ah, mais c'est juste pour avoir... Ah, mais c'est un don épique. Ok. Moi, je pense qu'il faudrait prendre ceci. On peut porter des attaques puissantes et peu élégantes. Quoi. Attaque et en puissance sélectionnée, il donne un bonus de plus 3. D'accord. Combat à deux mains, du coup là c'est pour la science de la combat à deux mains. Vous recevez ce don gratuitement niveau 1, ce don peut être utilisable automatiquement pour le combat. Ah bah du coup je vais prendre combat à deux mains vu que. Combat à deux armes vu que j'ai toujours deux armes en fait. Voilà. Oui. Hop, là c'est fait. Et bah là je me sens mieux. Du coup. On va compte. Non, l'autre sens, s'il te plaît. L'autre sens, s'il te plaît. Et ben, on avance. Et du coup, le gars va me dire que je suis deuxième. Ah, merci, ça me démange. Oula. Oulala. Alors là, par contre, ça va pas me plaire. Eux, ils sont un petit peu trop vénères pour moi. Eux, ils sont un poil vénères. Qu'avons-nous là? Alors, bonjour, je sais pourquoi je suis ici, pourquoi tenez-vous tant à être en début de file puisque le conseiller ne reçoit personne? Si je tente la diplomatie, j'ai zéro. Voilà. Je vous suggère de partir avant que la soif ne s'empare de mes vampires. Si peu importe d'être c'est moi dans le... Êtes-vous venu voir cette affaire? Me regarde que moi, je ne confie pas mes intentions à mes propres serviteurs, pourquoi irais-je vous le dire? Parce que je vous le demande? J'ai assez de diplomatie pour ça. J'ai pas assez de diplomatie pour passer devant. J'en ai assez pour dire et raconte-moi tes problèmes. Bon, par contre, là, moi, je suis en train de mourir à petit feu. Heureusement que j'ai un collier. Alors, le savoir, c'est le pouvoir. Je doute du vôtre, mais si j'y vais, vous en trouvez. Ne le partagez jamais sans exiger en retour un coût supérieur à la valeur de ce savoir. C'est très vrai dans la vraie vie. Ainsi, si je vous paye, vous me direz la raison de votre présence. Vous n'avez rien à m'offrir. De cela, je suis certain, assez tergiversé. Laissez-moi donc votre place. Et il en reste un certain nombre de jours et d'heures de minutes à vie, et pourtant vous gâchez. Oui, d'accord, mais serviteur, moi, je sens d'une patience infinie. D'accord. Oui, et puis là, après, oui, d'accord, donc... Ça après, ça, je boucle. Donc je suis obligé de faire la bagarre. C'est ça.
Vous êtes pas en début de file alors, j'ai pas à vous parler. Je vais vraiment devoir faire la bagarre contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mecs. Oui, bah écoutez, écoutez, c'est comme ça. Voilà, donc je vais lui dire que... Est-ce que je peux... Attends, je peux parler aux autres Je peux pas du tout. Ah. D'accord, bon bah... C'est des mauvaises places où je vous anéantis. Ah. Et c'est parti pour la bagarre. Allez, c'est le moment de savoir si j'ai fait le bon choix. Miam miam. Cette chose repousse mes attaques. Ok, alors ça fait des dégâts un peu partout. Pour le moment, les chevaliers sont les moins forts de ce que je vois. J'ai bien fait de faire full magie, il y a déjà... Ah, Kaylin par contre, elle va mal. Angvar est bientôt mort. Angvar est mort, ça c'est fait. Ensuite, toi. Ok. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, Kaylin vient de décéder et vu qu'elle est la seule à pouvoir se régénérer, c'est problématique. Ok. Ensuite, qui c'est qu'on a? Il nous reste 2, 3. Il nous reste 3 personnes. Je vais prendre lui qui est avec Oku. Est-ce que mon personnage peut... Ah, mon personnage peut pas bouger. Yes. Ah bah Oku vient de le terminer, donc problème réglé. J'ai pris 1 milliard de malus, c'est pas grave. Hop là. Il n'y a plus qu'à terminer celui-ci. Et il résiste pas mal en effet. Voilà. Et bah ça c'est fait. Et c'est même bien fait. Bon, maintenant. Je n'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Hein. Baguette magique, je la prends. Et le reste, c'est tout bon. Putain, si je fais assouvissement, ça va me prendre tellement de PV. Ça m'énerve déjà. Avec moi. Je t'ai pas donné des potions. Si, premier secours sur toi-même. Sur toi-même. Vous devez disposer d'une trousse de secours. J'ai pas de trousse de secours. Aïe 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 aïe. Ok. Oui. Alors. Où sont mes potions? Elles sont... Ah, j'en ai 15. Ça va, j'en ai 15. Alors attends. On va faire ça. Tac. Tac. Oui. Kaylin. Hop. Utiliser. Guérison suprême. Encore une petite. Voilà. Et au coup, guérison suprême. Encore une. Voilà. Et puis la dernière pour Kaylin. J'ai bien fait d'acheter les potions. Voilà. Impec. Et moi, je vivote dans tout ça. J'ai pu mes malus. Du coup, c'est très bien. Du coup, on continue. Ça vous met au début de la file. Ça ne change rien que vous soyez numéro 505 vu que le concile reçoit personne. Alors, je peux pas vous laisser passer. Je vais te casser les dents. Je m'occupe d'ouvrir la porte et laisser passer. Oh. Eh ben, on le dira merci, madame. Voilà, ce sera pas mal. Oh. Oula. Alors attention, il y a une sauvegarde. C'est possiblement quelque chose d'assez important. Donc il va pas falloir faire de bêtises dans les choix et dans le reste. Hop, hop. Manche-cœur, le conseil est troublé par votre seule présence, vous n'entrerez pas. Ah, c'est pour une bagarre, d'accord. Nous avons lutté pour parvenir jusqu'à l'entrée, vous nous refusez l'entrée, vous parlez du nom du concile ou en votre propre nom. Misérable sans mêler par les mots encore sur ce ton, il y aura un bain de sang. Je vous mets au défi d'agir ainsi, sbire du concile, passons, nous a... Dites-moi, ce sans mêler est-il votre voix ou vous pouvez parler à vous-même? Non, je vais pas faire du plein. Il parle avec ma voix.
il parle avec ma voix. Vous faites écho aux paroles du sang mêlé. Ah, révoltant. Merci, Gan. Putain, j'ai 24 avec toi, j'ai pas assez d'influence. Pourquoi? Allez. Vous avez sacrifié votre vie et celle de vos compagnons. Le concile doit être protégé à tout prix. Je suis ici pour m'adresser au concile, non pour l'affronter. Allez. Je vous crois. Toutefois, il est rare que l'on contrôle sa propre destinée et ceux qui portent la malédiction du Mange-Cœur sont à la merci du destin. Votre victoire sur le roi ours fut la dernière vision que le concile m'a accordée. Il craignait votre fin à juste titre. Il est là, le roi ours. Il aurait pu me dévorer, mais il s'en est abstenu. Pour l'instant, le Mange-Cœur est capable de dominer la malédiction. C'est parce que je l'ai choisi, j'aurais pu te tuer, mec. Si votre malédiction a contraint le roi ours à se prosterner devant vous, vous représentez une trop grande menace. Vous partagerez la destinée de quiconque représente une menace pour le concile. C'est-à-dire... Pour vous, ce sera l'exil au Skein, je n'ai plus rien à vous dire. Et pour ma mère, je veux savoir ce qu'il en est advenu d'elle et pourquoi on m'a rejeté. Et vous allez me répondre, Gnoud. Je me souviens de vous. Quelle ironie de parler de votre mère. Vous auriez peut-être vos réponses en la rencontrant, mais il est plus probable qu'elle n'y réponde pas. Comment ça? Pour les bras. Ah non. Ah non.